Donc après nettoyage, voilà un petit peu tout ce que j'ai sorti des 2-3 poches que j'ai trouvées. Celle-là est sympa là. Ça aussi, ça c'est un morceau de brèche. Donc d'une zone de broyage. Hein. On voit bien les cristaux qui sont cassés, qui sont recollés dedans. C'est une sorte de quartzite. Ça mélange. Par exemple, de quartzite, on va dire, c'est plein de petites lamelles de quartz assemblées les unes aux autres. Hein. Ce qui est plutôt sympa. Quelques encapuchonnées blanches, hein. Bon, ça, comme d'hab. Hein. Trouver cette petite là. J'aime bien parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur de roche et c'est bien rubané, c'est bien coloré. Après, j'ai trouvé celle-là. Là. J'aime bien aussi celle-là. Là. Elle est rouge. Donc, elle est rouge, pourquoi? C'est très certainement de la jarosite, voire peut-être de la cuprite, mais je pencherais plus pour de la jarosite. Donc, il faudrait que je regarde au microscope. Ça c'est rare, ça là. C'est très très rare. Je dirais que c'est la première fois que j'en trouve une aussi rouge, hein, à Pégu. Sa petite sœur. Hein. Voilà, puis quelques petites cristallisations sympas. Et notamment la fleur que j'ai trouvée. Là, celle-là, franchement, elle est trop jolie. Donc, je vais l'offrir à Magali, celle-là. Et Mag, viens voir. Je t'offre une fleur en améthyste. Et je te dis, c'est pas prêt de faner, ça. Non, c'est sûr, c'est pas la fleur que Brian a dans ses Tiens. mains là. Oh, dis donc. T'as vu, Brian? Elle est belle, jolie. Et c'est pas pour toi, c'est pour maman. T'as vu, regarde derrière comme elle est belle. Ça te plairait celle-là, hein? Ah. Ouais, la tienne elle fan, mais elle est belle quand même. Encore dans la main que on la montre mieux. Tourne-la de l'autre côté, s'il te plaît. Ouais, on y voit bien. Voilà, ça c'est une fleur parfaite, aucun choc, très très fine. J'en trouve de temps en temps, mais celle-là, honnêtement, elle est bien, elle a un petit peu de rouge. Elle est rare. Elle ressemble d'ailleurs à celle de notre flyers. Celle de notre flyers, elle est un peu moins épaisse, mais elle est beaucoup plus limpide par contre. Alors là, je vais vous montrer aussi celle-là de près parce que celle-là, elle est quand même sympa. Hein. Celle-ci, elle est aussi sympa parce que, en fait, on a l'impression que je l'ai peinte, mais je ne l'ai pas peinte. C'est réellement que je ne l'ai pas nettoyée, celle-là, juste pour vous montrer un petit peu, des fois, ce que ça peut donner, l'oxyde de fer, la rouille. Plutôt sympa. Hein. Après, bien entendu, toutes les autres, là, c'est que des améthystes fantômes. Hein.